Tu connais rien, frère. T'as jamais fait de business de ta vie. Et tu crois qu'en 4 mois, 6 mois, 1 an, tu vas arriver, boum, tu vas faire 1 million? Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère, les gars, que vous allez bien. Depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ici, c'est Jonathan Hatchi. On est déterminé comme jamais. Je vous transmets ça. Transmets la détermination, les gars, pour rien lâcher, être motivé, pouvoir créer ton business en ligne, voyager où tu veux, quand tu veux. Ça fait toujours plaisir. Et je le fais, ça fait depuis 2016. Enfin, non, j'ai créé mon business en ligne depuis 2016. C'était sur le saxophone, j'ai fait un lancement à 20 000 euros en une semaine en vendant des formations en ligne sur le saxophone que je vends toujours sur ma chaîne secondaire qui est Jonathan le saxophoniste. Ok, c'est pour ça qu'après, quand j'ai su le faire, j'ai dit ah bah tiens, je vais apprendre aux autres à le faire aussi. Voilà, c'est pas hop là, j'ai jamais fait, puis j'essaye. Hein. Ok, donc vous, arrêtez de vous trouver des excuses, les gars. Je suis parti de zéro, j'ai grandi aux Pyramides dans le quartier des. Dans le quartier, c'est son nom en fait, le quartier des Pyramides à Évry dans le 91. J'ai redoublé mon BEP, pourtant je l'ai fait, donc les gars, arrêtez de chercher des excuses. On a tous des galères dans la vie. C'est toi qui décides aujourd'hui de qui tu veux devenir, hein. C'est pas ton passé qui te décide. Et par contre, les actions que tu mets au quotidien, ça veut dire les actions de ton passé, vont donner les résultats que tu auras dans le futur. Donc à toi de voir maintenant. Si tu veux aller plus loin, de toute façon, tu as tout en description. Donc n'hésite pas à aller faire un tour et passons directement au sujet de la vidéo. Devenir riche rapidement, voilà les gars, pourquoi la plupart des gars qui commencent un business échouent parce qu'ils pensent que vraiment c'est vrai. Ils pensent vraiment que c'est vrai que genre on peut devenir riche rapidement. C'est pour ça que les gars ils échouent parce que les gars commencent à faire un mois, deux mois, trois mois. Ils disent oh, mais ça marche pas en fait les gars. Ça marche pas. Comment tu peux dire qu'un business ne fonctionne pas hein? Déjà il y en a qui sont dans la confusion entre acheter une formation et acheter un ticket pour devenir riche. Ils pensent que quand ils achètent une formation, ils achètent un truc genre... Ils vont acheter la formation, on va leur dire, alors, tu appuies sur le bouton à gauche, à droite, et après, tu appuies deux fois, fais attention. Si tu n'appuies pas deux fois, ça ne va pas fonctionner. Donc, fais bien attention. Deux fois, tu caresses le bouton bleu, et après, l'argent va tomber sur ton compte en banque. Donc, il y en a déjà qui n'ont toujours pas compris, c'est quoi une formation en ligne. Petit rappel, formation en ligne, ça t'apprend juste à faire des choses que tu ne sais pas faire. C'est des informations qu'on te donne. C'est-à-dire, si ton daron, il a jamais créé un business en ligne, il ne va pas pouvoir te l'enseigner. Donc, tu achètes une formation en ligne pour pouvoir savoir comment faire. Voilà, t'as la stratégie pour pouvoir savoir comment faire. C'est comme les, genre des franchises, les franchisés, on leur apprend. Hein, Pizza Hut, ils t'apprennent, voilà comment on fait les pizzas, voilà comment on fait ceci. Est-ce que ça veut dire que c'est garanti que quand tu es franchisé de Pizza Hut, que tu vas avoir des bons résultats, que tu vas tenir 5, 10 ans, 20 ans? Bah non. Mais par contre, ça réduit énormément tes chances de te planter parce que tu bénéficies de toute l'expérience de la franchise. Et donc, du coup, c'est pareil pour la formation en ligne. Donc ça, bref, ça déjà, je voulais t'en parler déjà. Ça. Donc les gars, ils commencent à acheter une formation en ligne. Il faut 3 mois, 4 mois, 6 mois. Et disent, mais ça marche pas. Ça fait 6 mois que j'essaie, ça marche pas. Mais on peut pas devenir riche rapidement. Ça fonctionne pas, c'est de la carotte. Donc je vais faire une vidéo sur YouTube pour dire que c'est de la carotte, c'est n'importe quoi. Le formateur, il fait n'importe quoi. C'est pas vrai, ça ne fonctionne pas. Oui, après, on fait sa vidéo. À partir du moment, gars, t'imagines, le gars, quand même, ça fait 4 mois que tu te lances dans un business, hein, et après, il faut voir le nombre d'heures que tu mets hein, par jour, hein, voilà. Mais bref, on dit, voilà, on dit que tu es vraiment carré. 4 mois, 5 mois que tu te lances, que tu es à fond dans ton business, le gars, après 4 mois de business, d'investissement dans le business, d'engagement dans son business, il décide que bah, ça ne fonctionne pas. Non, mais pour avoir une réflexion comme ça, c'est que dans ta tête, tu as cru que tu allais devenir millionnaire dans 4 mois. Sinon, je ne vois pas comment ton cerveau il peut dire ça. C'est ta conscience de combien de temps demande un business pour pouvoir vraiment t'établir, être à l'aise, à l'abri financièrement, vraiment, vraiment assis financièrement. Normalement, c'est entre 0 et 5 ans. Tu vois, c'est 5 ans. Après, avec le business en ligne, tu peux aller plus vite. Ça dépend, tu vois. Mais compte 5 ans. 5 ans où tu es engagé, où tu lâches rien. Donc, quand il y a des gens qui, 3, 4 mois après, 6 mois, où ils abandonnent, ils disent « ouais, ça ne fonctionne pas », c'est que tu, dans ta tête, tu te disais, même un an et demi, c'est que dans ta tête, tu te disais, je vais être millionnaire dans un an. C'est sûr et certain ça. Et les gars, je vais vous le dire, parce que personne ne vous le dit. Jojo, il est toujours là pour dire la vérité. Hein? Moi, j'aime bien dire la vérité. Hein? Que ce soit relation de femme, que ce soit le machin, même si on n'aime pas entendre. Je dis, c'est la vérité. Tu ne deviendras pas millionnaire en un an.
Et s'il y en a qui le font, tant mieux pour toi. Mais ça, c'est un épiphénomène, les gars. Arrêtez de croire que... Arrêtez de généraliser un épiphénomène. Vous avez vu un gars qui a fait 10 millions en un an, et vous dites, ah ben moi aussi, je vais faire 1 million en un an. Oui, je pense grand. Déjà, essaie de viser même les 5K par mois. À l'année, on va parler à l'année. Déjà, vise même déjà quitter ton travail grâce à ton business. Après, vise les 10K, les 100K à l'année. Après, vise le million, tu peux pas... Tu connais rien, frère. Tu n'as jamais fait de business de ta vie. Et tu crois qu'en 4 mois, 6 mois, 1 an, tu vas arriver, boum, tu vas faire 1 million. Et qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? C'est que les gars, après, eh ben, ils se démotivent. Ils se disent, ça ne fonctionne pas parce que je n'ai pas réussi à faire 1 million. Parce que, qu'en plus, tu imagines, pour passer de 0 à 1 million, je sais pas, 1 million, c'est 86 000 $ par, 86 000 € par mois. Tu n'as jamais fait de business de ta vie. Donc, même si on t'accompagne, on te dit tout, etc., faut juste revenir sur terre, les gars. Calmez-vous, calmez-vous. Un business, ça se construit, ça prend du temps. Et je ne te parle pas des gars qui font des trucs. Ils font un petit lancement, boum boum, et ils font de l'argent pendant 6 mois. Et après, 6 mois d'après, ils n'ont plus d'argent. Ou ils sont là pendant 1 an, ils font un peu d'argent, puis après, ils disparaissent. C'est pour ça que je parle de 5 ans. C'est pour ça que je parle de s'asseoir financièrement. D'avoir un business qui tourne, un business qui se développe, un business qui évolue avec le temps. Mais pas des gens qui font, ils font un coup, ils visent le court terme, ils font un peu d'argent, boum, après il n'y a plus rien, et puis ils refont un coup comme ça. Ça, ce n'est pas du business. Donc les gars, arrêtez de croire que les épiphénomènes, c'est la généralité. Arrêtez de croire ça. Okay? Déjà, pour te donner un exemple, déjà, si tu achètes une formation, déjà, tu as déjà mis en PLS la moitié de la population. Tu as déjà mis beaucoup plus que la moitié de la population, parce que les gens, déjà, ils ne veulent pas se former. Donc ça, c'est bien, c'est good, ok? Après, dans les gens qui achètent les formations, ceux qui arrivent déjà à avoir des résultats, déjà générer du cash, déjà tu as mis en PLS une bonne partie des gens qui ont acheté la formation. Parce que les gens ne vont pas jusqu'au bout, ils font comme je te dis, au bout de 3-4 mois, machin, oh, il n'y a pas d'argent, ça ne fonctionne pas. Oh, puis après, ils reprennent leur vie normale, machin, ils se font influencer par leur entourage. Okay? Et après, dans les gens qui ont des résultats, qui arrivent même à quitter leur taf, à vivre de leur business, ceux qui font des 1 million genre en 1 an ou même en 2 ans, mec, là, c'est 0,0000. C'est des épiphénomènes, les gars. Et même quand tu vois des interviews sur ma chaîne, tu vois des gars qui font des gros chiffres. Souvent, c'est où ils ont un background de quelque chose, d'un autre business, où ils te disent tes chiffres, ouais, de 0 à machin, mais de 0 ok à machin, mais ça faisait déjà 2 ans qu'ils étaient en train de charbonner. Ils n'avaient aucun résultat. Parce que c'est ça aussi, il ne faut pas oublier, les gars, ce n'est pas une courbe, c'est pas une courbe genre linéaire comme ça. Hein. Genre la réussite, ça ne va pas comme ça. Comme ça. Non, la réussite, c'est genre, t'es comme ça, il se passe rien pendant 1 an, 6 mois, 7 mois, 1 an. Tu vois, il se passe rien du tout. Et là, d'un coup, boum, la courbe, elle monte d'un coup, c'est tchou. Tu vois, tu montes d'un coup, tu t'arrêtes pas. Donc, les gars, arrêtez de vous faire carotte comme ça. Et en plus, quand tu regardes bien, pour pouvoir faire 1 million, ok, c'est pas magique, les gars. Il va falloir que tu deviennes une nouvelle personne. Si aujourd'hui, tu fais pas 1 million, c'est parce que t'es pas la personne qui est capable de faire 1 million. Ça veut dire que dans la tête, tu n'as ni la connaissance, ni l'état d'esprit, ni l'engagement, ni la persévérance. Il te manque plein de trucs pour pouvoir faire 1 million, en fait. Tu ne peux pas juste avoir la connaissance. La formation, c'est juste ta connaissance, tu vois. Mais si tu n'as pas derrière persévérance, engagement, état d'esprit, bon état d'esprit, ça ne fonctionne pas. Et même quand tu as tout ça, ok, donc pour pouvoir devenir cette nouvelle personne qui est capable de faire de l'argent, ok, que tu n'es pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, tu as les résultats de qui tu es. Les résultats à l'extérieur que tu as, c'est les résultats de qui tu es. À moins que tu sois dans le process, dont ce dont je vais te parler tout de suite, même quand tu as tout ce que je viens de te dire, ça prend du temps. Je ne sais pas d'où vient cette légende qu'on peut devenir millionnaire rapidement. Je ne sais pas pourquoi, d'où ça vient. Est-ce que tu peux être rentrer en NBA rapidement? Genre, tu commences le basket dans 1 mois et puis dans 4 mois, dans 1 an, tu rentres en NBA? C'est possible ça? Est-ce que c'est possible de devenir footballeur professionnel en commençant le foot dans 1 mois et puis dans 1 an tu rentres au Real? Ça n'existe pas ça! En fait, dans tous les trucs de la vie, ça n'existe pas. Il n'y a rien qui fait que tu. Il n'y a rien qui va vite en fait. Ça n'existe pas en fait. Donc je ne sais pas pourquoi pour l'argent on dit oh, bon, ça va aller vite. Ben non, ça va pas vite. Ça prend entre 0 et 5 ans. Donc mets-le dans le crâne. Je suis là pour dire la vérité. Voilà. Que ça fasse plaisir ou pas, je te le dis. Donc ça, c'est incroyable ça quand même. Que tu... Musicien, ah tiens, ça tombe bien, je suis musicien donc j'en parle. Donc toi, tu crois par exemple, tu commences le saxophone dans 1 mois et dans 1 an, tu crois que tu vas me plier?
Alors que moi, ça fait des années et des années que je charbonne tout ça pour être au niveau où je suis. En fait, tu peux pas. En fait, c'est pas possible, en fait. C'est juste un fantasme. Je sais pas. Donc, ne te laisse pas carotte. N'abandonne pas si t'as abandonné. Reprends la formation que t'as déjà achetée et continue et persévère jusqu'à temps que tu pètes. De 0 à 5 ans, c'est le temps que ça prend pour asseoir ton business, réinverser ton business, que ton business doit augmenter tous les mois. C'est pas genre tu fais un shot là, un court terme, un shot là, un shoot. Non, même business que tu développes, que tu lâches pas, boum, boum, boum. Pensez long terme aussi. Hein, les gars qui font du dropshipping, je parle souvent d'eux parce que je vois trop court terme. Toi là, tu fais de l'argent pendant 3 mois et puis après tu galères pendant 6 mois. Puis crée un vrai business sur long terme. Sinon, tu vas disparaître. On n'entendra plus parler de toi dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Ok, donc créer un business, ça prend de 0 à 5 ans. Tu as soit financièrement, tu réinvestis dans ton business. Boum, avec les bénéfices, tu achètes des actifs. Et le game, il est plié en 5 ans. Tu n'auras plus jamais de soucis d'argent de toute ta life. Ok, les gars, donc vous ne faites pas carotte. Juste travaille sur toi, connaissance. Hein, donc ça passe par une formation ou un coach. Travaille sur ton mindset, lis des livres par rapport à ça. Ça, tu peux lire des livres, regarder des vidéos. Ça marche bien sur YouTube. Persistance, détermination, les gars. Faut rien lâcher, les gars. Il n'y a rien qui va tomber du ciel. Il n'y a rien. L'argent, il ne va pas tomber du ciel. Tu n'as rien fait. Tu es comme tout le monde. Tu fais les mêmes actions que tout le monde. Et tu crois qu'il y a un gars qui va frapper à ta porte, qui va dire, tiens, 50 000 euros. Ça fait plaisir. Et dans un an, je pense que je reviendrai, je te donnerai 1 million. Non, les gars. Des fois, on dirait qu'on est bête. C'est incroyable ça quand même. Enfin, moi avant, le mois d'avant en tout cas. Les gars, soyons malins les gars. Okay, soyez malins, faites ce qu'il y a à faire. Soyez dans la réalité, la tête dans les nuages, mais les pieds sur terre. Ok. Donc les gars, on lâche rien. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas. T'as ma masterclass où je te montre exactement comment j'ai fait les 20 000 euros en détail. Je te montre bien en détail comment j'ai créé mon business en ligne et tout. Et comment j'ai généré du cash. Qu'est-ce qu'il faut faire, c'est gratuit les gars, donc tu peux y aller. Je pense que je t'ai tout dit, donc les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et à nous. Soyez ton camp.